Vous savez, parfois, lorsque vous endurez beaucoup, vous perdez le feu que vous aviez autrefois. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Étudions quelques prières audacieuses que quelques personnes ont priées. Allez à Genèse 18. Et l'Éternel dit, « Les accusations contre Sodome et Gomorre sont énormes, et leur péché est extrêmement grave. Je vais descendre pour voir s'ils ont agi en tout aussi horriblement que la plainte en est venue jusqu'à moi. Et alors, je le saurai. » Et les deux hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Je suis contente qu'il y ait toujours quelqu'un qui se tienne en présence du Seigneur, même quand les autres s'en vont. Et Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu périr le juste, celui qui est droit et en bon terme avec Dieu, avec le coupable? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville? Vas-tu détruire cette ville et ne pas l'épargner à cause des 50? » Maintenant Abraham intercédait pour les justes de la ville, et il s'est enhardi et il est allé à Dieu et lui a dit, « Un instant, Dieu, tu dis que tu vas détruire toute cette ville. Elle est juste alors. Vas-tu épargner les justes ?» Vous savez quoi? Je prie cette prière pour l'Amérique de façon régulière. Car l'Amérique devient tellement immorale que Dieu descendra peut-être la voir. Peut-être qu'il viendra ici et la verra lui-même. Et alors, tout va sauter. Mais nous devons prier par égard pour les justes. Et je prie que Dieu se souvienne de nos pères fondateurs et du sang qui a coulé et du prix qu'ils ont payé. Et Dieu ne détruit pas l'Amérique par égard pour les justes, mais que les justes se lèvent et lui rendent son rôle légitime comme étant la lumière brillante qu'elle est censée être et qu'il y ait un revirement pour que tu la vois faire ce que tu voulais qu'elle fasse depuis le début. Si suffisamment de gens prient de la sorte, Dieu va nous entendre et il va faire quelque chose. Mais vous ne devez pas dire, « Eh bien, l'Amérique va périr, nul ne peut rien faire. » Verset 25. « Loin de toi, Dieu, de faire cette chose-là. » J'aime la façon dont certains de ces gens parlent. « Dieu, tu sais que tu n'es pas comme ça. » Faire mourir le juste avec le coupable, en sorte qu'il en soit du juste comme du coupable. Il dit, « Si tu fais ça, à quoi bon même être juste ? » Loin de toi, Dieu. Le juge de toute la terre n'exercera-t-il pas la justice et la vertu? Cela me rappelle Moïse quand Dieu allait anéantir les Israélites. Moïse s'était vraiment enhardi devant Dieu et lui a dit, « Dieu, si tu les anéantis, cela va nuire à ta réputation. Car les gens vont dire que tu n'as pas pu t'occuper d'eux dans le désert et que tu les as fait sortir, mais tu n'as pas pu les faire entrer dans la terre promise. » Quelle approche intrépide! Tu ne dois pas faire ça. Il n'est pas bon pour ta réputation, Dieu, de le faire, et nous voulons que tu aies une bonne réputation. Verset 26. Et l'Éternel dit, « D'accord, si je trouve dans la ville de Sodome 50 justes, j'épargnerai la ville par égard pour eux. » Et Abraham répondit, « Voici, je suis bien hardi, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis qu'un peu de poussière et de cendre. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5. Détruiras-tu alors toute la ville pour 5? Et l'Éternel dit, « Si j'y trouve 45, je ne la détruirai pas. » Et Abraham lui parla encore une fois et dit, « Eh bien, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. » Et l'Éternel dit, « D'accord, je ne la détruirai pas si j'y trouve 40. » Mais comprenez-vous ce qui se passe là? Voilà un homme, un être humain, qui marchande avec Dieu. Allez, maintenant, Dieu, sois un peu plus généreux, là. Je veux dire, et si tu ne pouvais trouver que 40 justes? Je crois que la plupart de nous auraient dit, « Anéantis-les tous, ils sont tous mauvais. » Verset 30, puis Abraham lui dit, « Et voyez, il est si différent.
Oh, que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai de nouveau. Peut-être s'y trouvera-t-il 30. Et le Seigneur dit, « D'accord, je ne ferai rien si j'y trouve 30. » Voyez, la chose que j'aime à cet égard, c'est que Dieu aime cette courageuse persistance. S'il pouvait trouver quelqu'un qui croit assez en lui et en son amour et en sa miséricorde au point d'avoir l'audace et le désir de s'approcher de lui, la Bible dit qu'Abraham s'est approché de Dieu. S'il pouvait trouver quelqu'un qui s'approche avec assurance du trône et dise « Maintenant, Dieu, nous devons parler. » Vous êtes trop calme. Eh bien, je ne sais pas si nous pouvons faire ça. Ne devons-nous pas laisser Dieu faire ce qu'il veut faire? La Bible dit que Dieu allait détruire une ville parce qu'il n'a pas pu trouver quelqu'un qui se tienne à la brèche. Si Dieu pouvait trouver quelqu'un qui prie et prie avec assurance, il pourrait changer beaucoup de choses. Amen. Et Abraham dit, verset 31, « Excuse mon audace, je me suis décidé de parler de nouveau. » Dieu, peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Il répondit, « D'accord, je ne la détruirai pas à cause des 20. Et Abraham dit, « Oh, que tu ne t'irrites pas. Dieu ne t'irrite pas contre moi, mais je dois parler une dernière fois. Je ne parlerai plus que cette fois, Dieu. Je ne dirai rien d'autre après ça. » Et si alors Dieu s'y trouvera-t-il 10? Le Seigneur dit, « Je ne la détruirai pas par égard pour ces 10. » Nous avons fait tout le chemin de « Je vais détruire et anéantir toute la ville. » Et parce qu'un homme a intercédé avec courage, maintenant, en quelques instants seulement, il a changé la vie de Dieu et l'a en fait ramené de détruire toute la ville. Ah, je vais épargner toute la ville si tu peux me trouver 10 hommes justes. Dites tous, je dois prier avec assurance. Une autre prière intrépide était dans Genèse 32, lorsque Jacob luttait avec l'ange du Seigneur et l'ange lui dit, « Laisse-moi tranquille. » Et il dit, « Je ne te laisserai point que tu ne m'aies béni. » Jacob était un escroc, un intrigant, un voleur et un trompeur. En d'autres termes, il avait un passé qui en disait long et qui n'était pas tellement honorable. Mais il aimait Dieu et il en était au point d'être prêt à faire face à son passé, à régler les choses et à avancer. Il avait l'audace, il avait le courage, il avait le toupet et il avait l'aplomb de dire à l'ange du Seigneur, « Je ne vais pas te lâcher. Laisse-moi tranquille, je ne vais pas te laisser tranquille. Lâche-moi, non, je ne vais pas te lâcher que tu ne m'aies béni. » Eh bien, d'accord. Ce genre de sermon rend la communauté religieuse dingue. Et la femme syrophénicienne que Jésus a comparée à une chienne, cela m'aurait rebuté. Si c'est l'opinion que tu te fais de moi. Allez à Matthieu 15. Nous devons être des personnes persévérantes. Ne renoncez pas facilement. Je dis ne renoncez pas si facilement. Matthieu 15, verset 27. Soyons comme la femme qui est allée au juge inique. Il vaut mieux que tu fasses quelque chose pour moi, Dieu, sinon tu vas te lasser de m'entendre parler. Nous devons commencer au verset 22. « Et voici une femme cananéenne de ses contrées vint à lui, et avec un cri fort, douloureux et pressant le supplia. « Aie pitié de moi, ô Seigneur, fils de David. Ma fille est horriblement et péniblement et cruellement tourmentée par un démon. » Mais il ne lui répondit même pas. Il l'ignora complètement. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Envoie-la d'ici. Qu'elle s'en aille, car elle crie derrière nous. » Et il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Cette femme n'était pas une Israélite. Mais elle se prosterna devant lui et continua à le prier, « Seigneur, secours-moi, 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 Seigneur. » Et il répondit, « Il n'est pas bien, approprié ou convenable, de prendre le pain des enfants et de les jeter aux chiens. »
Et elle dit, oui, Seigneur. Et justement, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Donc cette femme avait la ferme foi que Jésus pouvait l'aider au point de dire, tu n'as même pas à faire quelque chose de grand pour moi. Si je pouvais avoir juste quelques miettes, cela suffirait. Jésus dit, je n'ai trouvé chez quiconque une aussi grande foi. À cause de sa foi persistante, qui dit, je ne vais pas renoncer, je ne vais pas me lasser. Vous savez, la chose que Satan veut que vous fassiez, c'est de jeter l'éponge et de renoncer. Je ne vais jamais être béni. Je pense que, vous savez, peut-être que je n'ai pas été appelé au ministère après tout. Eh bien, je pense que je n'aurai jamais un meilleur travail, je ne vais jamais avoir mon diplôme universitaire. Je ne vais jamais déménager de ce côté de la ville. Je ne vais jamais rien avoir. Ça, c'est sûr, pas avec ce genre d'attitude. Mais si vous vous agrippez à Dieu dans la prière et vous dites, « Je sais qui je suis en Christ, je sais ce que tu as fait pour moi, et j'ai l'intention d'être un vainqueur car ta parole dit que je peux l'être. Je suis plus que vainqueur par Christ. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je ne vais pas manger la poussière et la cendre toute ma vie. Je vais sortir de ce trou. » Et je vais faire de grandes choses au nom de Jésus. En ce qui me concerne, je n'ai même pas effleuré ce que j'ai l'intention de faire avant que Jésus ne revienne et me prenne. Je ne vais pas m'asseoir dans un fauteuil à bascule et dire, eh bien, vous savez, le Seigneur soit loué. Comprenez-vous ceci? Vous avez l'air plutôt... Et le fameux aveugle Bartimée, alors? Rien qu'un sacré mendiant aveugle. Jésus! Fils de David, aie pitié de moi! Tais-toi. Laisse-le tranquille. Tu fais du grabuge ici. Tu fais une scène. Calme-toi. J'aime beaucoup ça. Il dit, mais il criait beaucoup plus fort. Ne laissez pas les pharisiens religieux vous faire taire. Luc 11. Combien de vous peuvent sentir maintenant le courage leur monter dans le cœur? Houhou, écarte-toi de mon chemin, diable! N'as-tu pas l'impression, Jackie, que tes batteries se rechargent? Vous savez, parfois, lorsque vous endurez beaucoup, vous perdez le feu que vous aviez autrefois. C'est exactement ce que Satan veut faire. Il veut éteindre votre feu. Mais Jésus est venu apporter un feu sur la terre. Amen. Je crois que nous avons apporté un feu sur votre ville. J'ai l'impression que quand je prêche, des étincelles voltigent un peu partout. Vous aviez besoin que quelqu'un vienne attiser votre feu. Amen. Timothée en souffrait. Vous savez, il avait ce sentiment de peur. Les chrétiens étaient tellement persécutés et tout le monde poursuivait Paul. Et il était l'un des fils spirituels de Paul. Et il était... Timothée était jeune et manquait d'expérience. Et Paul est venu et lui a dit, « Écoute, je me souviens de la foi de ta grand-mère et je me souviens de la foi de ta mère et je me souviens de la foi dans laquelle tu marchais. Maintenant, attise ton feu et ne laisse pas ce don s'éteindre. Ne laisse pas ce feu s'éteindre. Ne perds pas ces choses qui t'ont été transmises par l'imposition des mains. » Nous avons tous besoin de ça de temps en temps. Nous nous laissons tous. Et nous avons besoin que quelqu'un nous dise, « Oubliez tous les ennuis que vous avez eus. Dieu travaille dans la guérison. Attisez votre feu de nouveau et avancez et faites ce que Dieu veut que vous fassiez et soyez ce que Dieu veut que vous soyez. Ayez vos rêves, ayez vos visions. Ne renoncez pas à vos rêves et visions. Je préfère mourir avec un rêve qui n'a jamais été réalisé plutôt que de vivre sans rêve. Du moins, si j'ai un rêve, j'ai une raison pour laquelle je me lève tous les jours. Vous me faites travailler dur. Luc 11, verset 1. Jésus priait en un certain lieu. Et lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Comme Jean l'a enseigné à ses disciples, et il leur dit, « Quand vous priez, dites, « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, et pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous sont redevables, qui nous ont offensés ou nous ont causé du tort. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Et il leur dit encore, si l'un de vous a un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire, « Ami, prête-moi trois pains, parce qu'un de mes amis vient d'arriver de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Et que de l'intérieur de sa maison, l'autre réponde, « Ne m'importune pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi nous sommes au lit. Je ne puis me lever pour te donner des pains. » Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, pourtant à cause de sa persistance, et insistance, il se lèvera et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi, je vous dis, demandez et continuez à demander et l'on vous donnera. Cherchez et continuez à chercher et vous trouverez. Frappez et continuez à frapper et la porte sera ouverte devant vous. Car quiconque demande et continue à demander reçoit, etc., 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 etc. Savez-vous pourquoi l'homme se lèverait et lui donnerait ce dont il a besoin? Pour une seule raison, parce que le type avait le toupet de venir frapper à sa porte à minuit. C'est comme, comment traiter avec quelqu'un comme ça? Je pense vraiment que c'est plutôt comme, quoi? Il est minuit, je suis au lit, tu veux quoi? Tu veux du pain? D'accord. Vous vous lèveriez et vous le feriez seulement parce que votre esprit est embrouillé et ne comprend pas pourquoi il demanderait. Dites, je vais demander courageusement. Maintenant, courageusement ne veut pas dire avec insolence, mais respectueusement. Vous rappelez-vous comment Abraham parlait avec Dieu? Dieu, je ne veux pas que tu t'irrites là. Et je sais que c'est un pas intrépide. Mais je vais faire ce pas de foi, Dieu, parce que tu es bon et miséricordieux. Et je sais que tu m'entends. Ce que je m'apprête à vous dire là est probablement la chose la plus importante pour votre vie de prière. Car ça ne nous sert à rien de prier si nous ne prions pas avec foi. Je veux que vous alliez à Galates 5, verset 6. Nous sommes sur le point de découvrir le sujet que j'aimerais prêcher au monde entier. Si je n'avais pas toujours besoin de nouveaux trucs pour la télé, je l'aurais probablement prêché partout où je vais. Combien de vous comprennent que si vous ne priez pas avec foi, ça ne sert à rien de prier? Mais Galates 5, verset 6 dit qu'il y a une autre chose qui doit agir avec notre foi. Car si nous sommes en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais uniquement la foi qui est activée et stimulée et exprimée et agissante par l'amour. Donc la foi seule ne suffit pas. Elle doit être une foi manifestée par un homme ou une femme de Dieu qui marche selon l'amour. Maintenant, c'est probablement un des plus grands problèmes que nous avons à l'Église aujourd'hui. Le fait que les gens ne se consacrent pas à une profonde marche dans l'amour. Ils cherchent la prospérité, ils cherchent la guérison, ils cherchent le succès, ils cherchent le ministère. Mais ils ne cherchent vraiment pas et ils ne se consacrent pas à marcher dans l'amour et à marcher dans le fruit de l'Esprit. Allez à 1 Corinthiens 13. Jésus dit, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. » Toute la loi et tous les prophètes se résument en cette seule chose. En d'autres termes, Jésus a pris le tout et il l'a simplifié et a dit, « D'accord, vous avez toutes ces choses qu'on vous a appris à faire. Maintenant, voilà ce que je vais vous dire. Concentrez-vous à marcher dans l'amour. » Combien de vous prient pour leur marche dans l'amour? D'accord, c'est peut-être un quart de vous. Que font les autres trois quarts? Combien de vous prient pour le fruit de l'esprit? Voulez-vous vraiment marcher dans le fruit de l'esprit? D'accord, c'est peut-être la moitié de vous. Je prie pour ma marche dans l'amour et dans le fruit de l'esprit tout le temps. Tout le temps. J'ai étudié la marche dans l'amour pendant des années et des années, car j'en étais finalement arrivé à comprendre que mon ministère n'allait avoir aucune puissance si je ne marchais pas dans l'amour. La façon dont je me conduis quand je ne suis pas en train de prêcher détermine ce qui arrive quand je suis en train de prêcher.
Ce n'est pas un spectacle que je viens monter ici. Je n'ai rien sauf l'onction de Dieu. Je ne suis pas sophistiqué. Je ne chante pas. Je n'ai pas un ministère à dessert. Et ce que j'entends par là, c'est que je dis aux gens comment vivre comme il faut et comment changer. Et vous savez, je le fais de façon simple et directe. Je vous le dis, je dois avoir l'onction de Dieu, sinon je suis foutu. Et je ne vais pas avoir l'onction de Dieu si je ne marche pas dans l'amour. Car Dieu ne oint pas la chair. Amen. Quand l'huile de l'onction était versée sur les prophètes dans l'Ancien Testament, aucune ne pouvait être mise sur leur chair. Une chose est sûre, si nous voulons prier, nous devons connaître les conditions de la prière réussie. La Bible dit « c'est la prière fervente et efficace que nous devons prier ». Cela indique que nous pouvons prier soit des prières efficaces, soit inefficaces. Je vous encourage donc à apprendre tout ce que vous pouvez apprendre sur la prière efficace. Je ne veux pas que vous perdiez votre temps, mais je veux que vous ayez de bons résultats de votre vie de prière. Dis-leur que je les aime. Dans ce livret, Joyce Meyer donne une révélation de l'amour de Dieu pour nous. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300, Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr.